Et voilà une nouvelle journée qui commence avec mon ami ici, qui avait été l'heureux élu du tirage au sort, n'est-ce pas? Et comme il est assistant de chasseur, puisque son papa, hein, ton papa chasse depuis des années, sauf que toi, tu n'as pas de game license et firearm license, donc comme c'est toi qui as gagné le séjour avec la villa et Lionel Passion Guide pour chasser un cochon, tu as offert cette chasse à qui? À mon papa. Voilà. Voilà. Donc, on s'est donné rendez-vous à Cazenoyal. On est juste au pied du Morne. On est en train de traverser cette jolie route touristique côtière pour se retrouver à Cazenoyal. On a beaucoup de cochons, comme tu le sais, tu me suis depuis des années. Exactement. Et on a beaucoup de cochons sur cette zone-là. Nicolas Chauveau, qui est le grand directeur de tout ce qui est chasse à Agria, Belle Ombre et Cazenoyal, a fait un Éden, un petit paradis des suidés, c'est-à-dire des cochons marrons mauriciens. Et donc, comme je le dis à chaque fois, on va croiser les doigts et prier Saint-Hubert pour qu'on puisse réaliser le rêve de ton papa de prélever un cochon marron à l'approche, ici, à l'île Maurice. Exactement. C'est parti. Tu peux me présenter ton... On dit fusil à l'île Maurice, mais c'est une carabine, évidemment. Oui. C'est une level action, ça veut dire c'est style Winchester. Voilà. Ça veut dire à chaque fois pour basculer, c'est pas une arme à canon basculant. C'est pas une arme à réarmement manuel sur le côté, style Mauser 98 ou style Linear, style Blazer, BRX 1 ou whatever. C'est level action. Ça veut dire c'est en dessous. On doit faire ce mouvement-là pour à chaque fois sortir la douille tirée et réapprovisionner chargée. Donc, c'est quoi? C'est Winchester Savage? Non, c'est Savage. Savage. Calibre 308. 308. Super calibre. T'as mis une petite lunette dessus qui est une quoi, Tasco? Tasco, oui. Tasco, ouais. Tasco. Qui va jusqu'à 5. Donc, c'est vraiment un équipement de battu. Oui. C'est la raison pour laquelle, lorsque ton fils a gagné ce concours-là, je pouvais, moi, te guider avec les armes de Belle Ombre. Cependant, ce week-end, ils sont tous occupés, donc on ne peut pas utiliser les armes de Belle Ombre. Donc, on va utiliser ton arme. Et c'est bien aussi parce qu'on va essayer de la régler d'abord, évidemment. D'accord. On va au moins tirer une balle et t'expliquer comment fonctionne ce maniement-là de cette canne de pierche. Ça va être la hauteur. Donc, il va falloir que tu l'écartes en fonction de ta hauteur. Généralement, légèrement, un petit peu dessous l'épaule. Parce que généralement, lorsque tu t'avances, tu vas baisser un petit peu ton rythme. Voilà. D'accord, ton niveau, pardon. Donc, quand tu vas venir épauler, il faut, si ça te gêne, il faut le mettre plus loin. D'accord. Et de ne pas avoir de croissant, parce qu'il y a très peu d'indices crépusculaires. C'est une lunette de battu. Donc, on va essayer de faire aussi le maximum de nos chasses à l'approche, évidemment, et le plus près possible. D'accord. Donc, je ne veux pas te faire tirer à 200 mètres, 150 mètres ou même 100 mètres. Moi, mon envie, c'est de te mettre dans les conditions de la chasse à l'arc. Merci. Sauf qu'on n'utilise pas un arc et on va y tirer peut-être à entre 20 et 50 mètres maximum. D'accord. Donc, vas-y, prends la carabine en main et montre-moi un petit peu comment tu te comportes, comment ça te va. Voilà, ça, c'est très bien ce que tu fais. Il y a deux techniques, c'est celle-là. C'est d'utiliser, voilà, soit alors ta main un petit peu plus basse pour pouvoir donner un petit peu de rythme ou de parabole, j'allais dire, de gauche à droite. D'accord. Ça veut dire que ton cochon, tu n'as pas sans arrêt, si lui, il bouge, le besoin de changer tout le temps la canne de pierche. Attends, il avance. Au moins, on te met ça à ton rythme. Et regarde ce qu'on va faire aussi. Alors, on va la fermer un petit peu plus, là. Et ça va te donner tout le temps le même écartement. C'est ça le gros avantage sur la canne de pierche Blazer. Tac. Comme ça, au moins, tu peux pas tricher. Tu sais que t'es adapté à ta canne de pierche et que ta canne de pierche est adaptée à toi. Faut pas perdre de vue que la crosse reste au sommet de ton épaule. Ta main de crosse, elle reste en place et ta main de longuesse, elle peut être soit sous la longuesse, soit elle peut tenir ici la canne de pierche qui te permet à diriger. Une fois que tu as chopé ton cou et que l'animal est steady, qu'il est en place, tu peux prendre ta main et tenir la longuesse. C'est comme tu veux. Et maintenant, tu vas me montrer comment on imagine, tu vas viser, allez, le caillou, c'est un cochon. Tu dois te déplacer tout seul. Moi, je serai en train de filmer. Je pourrais pas, tu vois, t'aider à te dire, allez, bouge à gauche, bouge à droite. Okay. Soit tu bouges un petit peu ça au début. Et puis ensuite, celui-là, tu essaies de voir le caillou. On dit que le caillou, c'est un cochon. Et tu vas me montrer comment tu tires et comment tu influences le vol de la balle. Quand tu veux, tu appuies. Et ça, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Parce qu'il y en a beaucoup, si tu veux, ils flinchent. Ils ferment les yeux, et ils veulent voir même, ils veulent voir le résultat tout en appuyant. Ils ouvrent le... Et donc, ça peut influencer le vol de ta balle.
C'est une carabine qui est faite pour la battue. Voilà. Voilà. Sauf qu'aujourd'hui, on va sortir de son contexte et de son mode d'emploi. Mmh. Donc, c'est à nous de nous adapter à ça. Ouais. Donc, si tu commences à faire des tirs à 200 mètres, ce petit forçage sur la queue de détente va influencer le vol et le résultat à 200 mètres. Donc, nous, notre but, et c'est ça qui est la chasse à l'approche, c'est ça qui est bien, c'est qu'on va essayer de réduire ce champ de vision-là, c'est de réduire cette distance entre l'animal sauvage et nous. Mais là, c'est bien ce que tu as fait, parce qu'il y en a beaucoup qui donnent un coup, qui bougent évidemment, le résultat, il ne sera pas bon. Donc, c'est tout ce que j'avais besoin. Maintenant, on va mettre une balle, on va s'approcher. Je vais juste mettre un petit bout de papier. Tu peux mettre les canons en l'air. Mais pas de balle pour l'instant, je vais mettre un petit bout de papier. Donc, tu vois, pourquoi il faut te mettre au maximum, c'est-à-dire là, ici, en l'occurrence, cette tasco-là sur 5. Parce que, contrairement à ce que beaucoup disent, j'aime pas zoomer beaucoup, parce que quand je zoome beaucoup, je bouge beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. Sauf que si tu dézoomes à un 5, tu penses que tu ne bouges pas, alors que tu bouges tout autant. Et là, tu prends le tir et ça peut vraiment altérer. Alors qu'en zoomant au maximum, alors c'est pas du 25, c'est 5. En zoomant au maximum, ça permet de voir que tu bouges et donc ça agit en considération sur ta respiration, sur l'adrénaline, tu souffles 2-3 fois et donc tu agis sur ces petits micro-mouvements qui vont altérer ton tir. Donc c'est très bien de te mettre à 5. Faut pas te mettre à un 5. En battu, oui, parce que tu as un meilleur champ de vision, tu vois s'il y a les chiens derrière, tu vois s'il y a une biche derrière. Mais là, on est sur un animal qu'on a prédéfini, on va prendre le temps de te montrer quel animal. Donc quand on voit un animal tout seul, on se concentre sur lui, il n'y a rien qui peut nous retirer de ça. Voilà, et puis tu bascules la culasse devant. Allez, quand tu veux, tu prends ta visée, tu mets le doigt sur la queue détente qu'au moment du tir. Et tu regardes le résultat dans ta lunette. Tu respires la moitié de tes poumons. Il faudrait qu'on t'entende respirer. Et tu souffles. Et tu regardes le résultat dans ta lunette. Reste dedans, reste dedans, reste dedans. Ne bouge plus. Tu appuies tout doucement sur la queue des temps. Tu laisses partir. Tu enlèves la balle. Ouais, allez. Parfait. Tu as fait deux balles dans le même trou. Donc, c'est super bon. Il vaut mieux faire deux fois là. Puisqu'à maintenant, on peut bouger la lunette légèrement pour regagner le centre. D'accord. Tu vois ? Mais ça, c'est ce qu'il faut. C'est pour ça qu'on fait toujours deux balles. Je n'ai pas vraiment de cours. Oui. C'est pour ça que j'ai monté l'école de la chasse et de la faune sauvage. Mais j'ai entendu. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, tu es régulier, mais la carabine manque d'un petit réglage. Donc là, on a poussé légèrement pour recentrer. Que tu sois dessous, c'est normal parce qu'on n'est qu'à 25 mètres. Donc là, on est sur une parabole qui monte. Tu vas peut-être être à, j'ai n'importe quoi, ça dépend du grammage de tes balles. Donc, c'est pas du tout pratique, c'est théorique. Tu vas être en dessous à 25 mètres par 2 inches ou 1 inch, de 5 centimètres, de 54. Tu vas être 1 inch en dessous. Ensuite, elle va monter à 50 mètres à peu près à zéro. Elle va continuer à monter à 125 mètres à 3 centimètres au-dessus et redescendre à 185 mètres là où tu l'as tiré à peu près à 50 mètres. Donc, tu vois que c'est une parabole qui est pas mal. Il faut juste donner un petit peu un coup vers la gauche. Pourquoi ? Parce que si, là, on tire à 25 mètres, tu vas rester dans la zone vitale. OK ? Si, par contre, on tire à 100 mètres, tu vas pas être 3 cm à droite, tu vas être 15, 18 cm à droite. Et là, tu es dans l'estomac, tu es dans la cuisse ou tu es manqué, ou dans la gueule, dépendant comment il est tourné. S'il est tourné tête à droite, tu lui brises la gueule. Donc, toujours, on peut pas dire, allez, on reste comme ça, je tourne dans une orange, non. Il faut tourner dans une orange à 300 mètres. Mais à 25 mètres, il faut tourner dans un dé à coudre. Tu vois? Donc là, toi, tu es bien régulier. Ça veut dire que la carabine, elle est propre, mais elle n'est pas, comment est-ce qu'on dit, accurate. Tu vois? Elle n'est pas réglée. Mais elle est régulière. Ça veut dire que tu n'as pas une balle là, une balle là-bas, une balle là-bas, une balle là-bas. Elle tire toujours droit et le bonhomme derrière la carabine, il est réglé aussi. Tu vois ? C'est ça qui est beau. C'est ça qui est beau. Allez, on a mis quelques clics vers la gauche. Dernière balle et après, on part chasser. Ça te va ? Tu regardes le résultat dans ta lunette. Tu respires bien, pas de presse, personne ne te regarde. Allez, désapprovisionne ton arme. Donc voilà, première balle, deuxième balle, troisième balle après l'avoir changé, quatrième balle après avoir donné 6, 7, 8, 9 clics. Donc là, c'est normal. Il faut que tu sois dessous à cette distance. Ça va monter là à 50 mètres. Ça va peut-être venir là à 125 mètres. Puis à 185 mètres, ça va revenir là. À 200 mètres, ça va revenir là, tu vois. Donc là, on est vraiment bien. On s'est rapproché. 9 clics pour aller de là à là, imagine. Donc je peux donner 2 clics de plus. Et là, tu es sûr que tu peux tirer jusqu'à 100 mètres sans aucun problème.
Ça, c'est une petite vidéo d'un cochon qu'on a filmé ce matin. D'accord. Ouais. On va faire avec ton fils. Allez, là, il se gratte. Voilà, là, il nous présente. Alors, oublie. On va faire un screenshot. Ok, on va prendre celle-là. Ouais. On va faire un joli truc, regarde. Je vais faire ça ici. Tu vois la patte avant ? Il faut imaginer un trait dans l'axe de la patte avant. D'accord. Ok, okay. Oublie qu'il y a des branches, hein. On dit oui, qu'il n'y a pas de bien branches. Bien sûr, bien sûr. Et si tu fais un axe au milieu, d'accord, c'est bon, mais il vaut mieux tirer en dessous de ce milieu-là. Ok. Il vaut mieux tirer, voilà, à peu près par là, dans l'axe de la patte avant. Mm-hmm. Ok. Donc tu prends ta carabine et ta lunette, tu montes, quand tu viens au milieu, tu descends un petit peu. D'accord. Pourquoi ? Parce que regarde, le cœur, on va le faire, ben on va le faire en rose. Le cœur, il est protégé là. Alors attends, il faut que je me mette sur shape, tac. Là, c'est le cœur. Mmh. Tu vois, il est protégé par l'humérus et le coude. Ok ? Mmh. Ensuite, on va faire les poumons. Allez, on va faire les poumons en bleu. D'accord. Les poumons sont comme ça. Okay. Ok. Et ensuite, on va faire le foie, mais il ne faut pas tirer. Hein. Le foie, c'est un peu là. Mm-hmm. Donc, si tu vises au milieu, tu seras toujours un peu trop haut. Okay. Parce que le dernier tiers supérieur de l'animal, c'est beaucoup trop haut. C'est... Alors, mince, je l'ai fait en mauvais, en violet. Attends, on va le faire en blanc. Regarde. Je sépare l'animal en trois tiers. Là, ok, et là le sternum, et là, et B, le sternum, ok, 1, 2, 3 tiers. D'accord. Tu vois ma croix orange, où est-ce qu'elle est ? Elle est, elle est un peu trop haute. Okay. Donc quand on dit le dernier tiers inférieur, il faudrait que tu vises en effet... Il faudrait que tu vises là. Sauf que là, si tu donnes un coup de doigt, tu vas casser sa patte. D'accord. Donc moi, ce que je veux vraiment, c'est que tu reviennes sur des constantes de tir. Milieu de thorax, mais un petit peu plus bas. Donc je vais le faire en vert ou en jaune. Et tu vas vite comprendre avec un rond. C'est ici qu'il faut que tu vises. Ah. Pas en milieu, un petit peu plus bas que le milieu. Pourquoi ? Légèrement. Si tu donnes un coup de doigt... Tu vas être dans le cœur. Coup de doigt, ça veut dire que ton canon va baisser. Oui, oui. Si tu es bon, tu es double pneumothorax, basse du cœur. Et si tu donnes un coup de doigt dans le sens inverse, que tu as mal épaulé, ta crosse est un peu plus basse, tu vas quand même le sécher sur place dans la colonne, là, ici. Mmh. Ok ? La colonne est aussi basse que ça. Exactement. Okay, exactement. Tu as l'impression. Hein, tu vas voir. Ça, c'est les poils. Moi, j'ai fait beaucoup d'études anatomiques de ces animaux-là. Mais ça me dit tout ça parce que Seasons. Ouais. Mais oui, j'en avais parlé sur Seasons. Il y a des gens qui expliquent aussi. Regarde. Oui. Là, c'est le crâne. Tu es d'accord avec moi ? Oui, on va faire ça comme ça. Là, c'est le crâne. Ok. Le cou descend et remonte comme ça. Ça, c'est sa colonne. D'accord. Imagine un peu. Oh, c'est loin. Et ici, c'est des rachis. C'est ce qu'on appelle l'apophyse. C'est ça la balle d'apophyse. Voilà, quand tu tapes au-dessus de ça, il s'effondre, il se secoue, il peut rester puis, là pendant une minute, 10 minutes et repartir. Donc, si on fait une longue histoire courte, voilà là où tu dois tirer ton animal. On va le grossir un peu. La patte avant, tu remontes le milieu en dessous. Là on est pas mal. Ok, okay. Là, on est encore mieux. Dans l'axe de la patte avant. Donc là, ce qu'il faut que tu fasses, une fois que tu auras le cochon devant toi, c'est de garder ça en tête et de faire comme tu as fait sur la cible. Parce que toi, tu tires bien. Il n'y a pas de « je croyais » là. Il n'y a pas un coup ça en gauche, un coup ça en droit, alors que la carabine est réglée. Là, on a réglé la carabine, on est revenu à zéro. À 25 mètres, on sait qu'on fait 2 cm dessous. On sait qu'on est bon jusqu'à 100, 150 mètres si on veut. Sauf que l'anatomie de l'animal, il va falloir la respecter. On ne tire pas dans le crâne. Pourquoi ? Alors que c'est des très bonnes balles. Parce que si tu fais un petit coup de doigt, t'es où ? Dans la mâchoire. Et là, tu laisses mourir un animal pendant 15 jours. Ouais. Il va mourir de ne pas avoir bouffé. C'est pas bon. Affreux. Sur la zone vitale, c'est quand même poumon, cœur et foie. On a quand même suffisamment de place pour placer une balle éthique qui va entraîner une mort instantanée ou
qui va entraîner une mort rapide. Ça veut dire, une balle comme ça, l'animal, il peut partir, parce qu'il n'y a aucun séton qui a touché son centre nerveux, c'est juste les organes vitaux. Il faut qu'il fasse quand même une hémorragie très rapide, plus rapide que le sang qui va produire. C'est ça qui va entraîner la mort rapide. Donc l'animal va partir, il va faire 25 mètres, 50 mètres, je ne lui donne pas plus de 50 mètres avec une balle comme ça. Boum. On n'aura pas besoin de tirer une deuxième balle. Prends-moi, vu comment tu tires, on croise les doigts et on prie Saint-Hubert. On y va ? Merci. Allez. Après tout ce blabla, maintenant on va agir. Mais ce sont des blablas qui sont utiles parce que les connaissances, on le voit avec l'évolution de la balistique, etc. Les connaissances, on en a il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes connaissances. Les basiques restent, mais en fonction des espèces, en fonction des chasses, des modes de chasse, ben, on doit s'adapter. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident pour quelqu'un qui a chassé en battu de se mettre à l'idée de chasser à l'approche, de marcher, de se mettre sur une canne de pirche et de savoir comment tirer et où tirer. Donc c'est un petit peu le but des genres de formations que je donne aussi pour l'école de la chasse et de la faune sauvage auprès des chasseurs en place déjà, qui ont déjà un game license, un firearm license. Moi, je ne tiens pas leur arme, je suis là juste pour les conseiller. Et c'est des genres de petits trucs qui font vraiment beaucoup, beaucoup de bien aux chasseurs déjà en place ou aux jeunes chasseurs qui ont un permis de chasser, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un papa ou un grand-père ou une maman chasseresse ou chasseuse. Donc, je remplace un petit peu cela et c'est un grand plaisir parce qu'à chaque fois, on fait des connaissances avec des gens qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné connaître un jour. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon métier de guide de chasse et formateur du permis de chasser. Maintenant, on va essayer de trouver un joli cochon. Aujourd'hui, c'est pas forcément le trophée qu'on cherche, c'est la situation. C'est-à-dire un animal le plus proche possible, une belle approche, pour faire un tir le plus parfait possible. Tu vois, de ces deux-là, la gauche est un mâle. Tu vois ces suites qu'on appelle les couilles, viens, approche-toi. Tu vois les suites. Tu vois, c'est un peu pompé derrière. Ça, c'est un indice de présence, enfin un indice, que ce soit un mâle. Et là, évidemment, son pinceau pénien, son pénis. Les lèvres ne sont pas retroussées, ça veut dire que c'est pas un grand mâle. Là, tu vois bien que c'est une femelle, son ventre est bombé. Elle a le ventre bien plein. À droite, ici, on a une petite femelle. Encore un, tu vois juste la queue. Je pense que c'est une grande femelle. Ouais. Un chat avec les cochons, ils vivent ensemble. Regarde, il se frotte au cochon. Bougez pas. Hein. Grosse femelle à droite de la, à gauche de la jeune biche ou du taguet, j'ai pas bien regardé. Là, femelle. Pourtant j'ai vu un mâle tout à l'heure, voilà, il est là le mâle. Je pense à droite, c'est un mâle. Mais c'est pas... Ça fait 20 minutes de chasse, un cochon qui fait 25 kilos. Je pense qu'on peut attendre encore un peu. Regarde le chat avec les cochons. Par contre, lui, il va mettre la l'air parce qu'ils ont une très bonne vue. Et c'est bien aussi d'attendre. Pourquoi ? Parce que il y a beaucoup de laits qui ne sont pas accompagnés, donc qui peuvent être en oestrus, en chaleur. Le vent étant bon pour nous, il y a un mâle dans les parages, il va sentir et commencer à houspiller les jeunes mâles, faire un peu du show-off. Donc c'est très bien. Et ce chat-là, je le connais depuis des années. Il y a plusieurs chats comme ça. Il y en a même un qui est tout noir. Et il vit avec les cochons. Il suit les cochons à la queue leu-leu, il se frotte, il joue avec les cochons. Impressionnant, incroyable, c'est ça aussi la chasse. Pas forcément flinguer, tirer. C'est de voir des trucs comme ça que tu pourras jamais voir ailleurs dans ta vie. Tiens, t'as vu le Maïna, le Martin a mis l'alerte et tout de suite le chat a regardé. Ça. On n'est pas loin. S'il y avait eu un grand virage, tu l'aurais fait tirer.
Mais il y a un petit verra de 25 kilos. Je sais qu'on peut faire largement mieux. C'est ta première expérience véritable de chasse à l'approche sur ce domaine-là. On va essayer de te donner un peu plus de chance. Maintenant, il faut faire en fonction du vent, des alizés, donc, et puis surtout de la météo. Si je vois que ça commence à être un peu menaçant, la météo, je vais te le faire tirer. Parce qu'il vaut mieux tirer celui-là et continuer à chasser pour un plus gros que peut-être de louper celui-là et de repartir les bras vides. Mais c'est ça la chasse aussi. De toute façon, c'est déjà gagné. Moi, je suis content. Ouais. C'est bien ce que tu fais. Tu vois le petit mal avec les pattes blanches là-bas, le dernier. D'entraîner, de viser le doigt loin de la queue détente comme tu le fais sur le bois, c'est très bien. Ça nous fait un petit entraînement, tu vois. Les chaleurs durent très peu longtemps et la gestation, ça dure 3 mois, 3 semaines et 3 jours avant qu'ils naissent les petits, comme le cochon, puisqu'il est plus cochon que sanglier. Ça vient d'Indonésie lui aussi, comme le cerf, mais ça a été croisé. C'est un sanglier sauvage qui a été croisé malheureusement avec des porcs domestiques. C'est pour ça qu'il y en a certains, ils ont les pattes blanches, le chanfrein blanc. C'est des réminiscences de
de croisement, de potentiel croisement avec porc. Il est mal placé, tu vois que son dos là. On va faire une bêtise là, par contre il va te donner un moment. Respire bien, regarde le résultat dans tes lunettes. Attends. Attends. Tu le vois là? Tu le vois là? Il est trois quarts face. Vas-y. Non, t'es trop bas, il est derrière l'arbre. Merci. Ben voilà. Une énorme laisse stérile. Il s'est couché là, là où je l'ai tué. Et c'était impossible parce qu'elle était dans les herbes de voir si c'était mâle ou femelle. Évidemment, ici, on tire aussi les femelles stériles, les femelles qui ne sont pas accompagnées. On appelle ça du management. On fait des safaris gestion. On fait tirer 5-6 pièces en 2 jours. Pour essayer de réguler la population. Donc bravo, hein. Merci. Il y a eu de la pression, hein. Je ne voyais pas. Incroyable. Ça, c'est une laie qui doit avoir plus de 10 ans, regarde. Elle a des crochets, on appelle ça des crochets. C'est un joli trophée parce que c'est pointu d'un côté et pointu dans la racine. D'accord. Alors que les mâles ont une racine qui creuse avec un nerf. Elle n'a même pas de grès là-haut, de crochets. Vieille lait. Mais une vieille lait comme ça toute seule, c'est la deuxième fois en 21 ans que ça m'arrive. Une fois un Allemand, on laisse passer 80 cochons au sommet de Casnoyal, j'avais trouvé une coulée de malade. On laisse passer plus de 80 cochons. Et en dernier, même à faire un truc de 60 kilos avec la tête tombant, blouc, 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 les lèvres retroussées, je dis banker, elle me vient trois quarts face, on attend qu'elle passe sous un arbre, bam, je dis bravo, t'as fait le Kyler de ta vie, j'arrive. Une énorme lait, comme celle-là. 55 kilos, 60 kilos. Vraiment rare. C'est plus rare de faire une lait comme ça qu'un mâle de 35-40 kilos. Bon, alors, est-ce que tu es content de ta journée de chasse à l'île Maurice avec Lionel Passion Guide? Extraordinaire. Extraordinaire. Quel après-midi. Bon Dieu. Et on en a vu, hein. Ouf. Des sangliers partout. Mais on n'a pas tiré. Et puis... celle-là, le Graal. Ouais, c'est ça. C'est le Graal parce que ce sont des animaux vieux, donc malins, oui. Qui ont essuyé à peu près une dizaine de battues par an. Moi, j'estime cette laie-là, vu qu'elle a les molaires complètement émoussées jusqu'à la gomme, et il lui manque un grès d'un côté, ses crochets sont très très émoussés, j'estime peut-être qu'elle a 10 ans. Donc imagine. C'est... une laie qui est stérile, forcément, elle est toute seule. Je l'ai vu le jour où on a tiré le gros sanglier de 52 kilos armé de 17 cm à 200 mètres d'ici. Je l'ai vu passer avec Ryan, qui est le gestionnaire de la zone. Et j'ai même voulu vraiment que le chasseur l'attire parce que ça, comme je te disais, c'est encore plus rare que tirer un petit véra, c'est-à-dire un petit mâle de 30, 40, 50 kilos. Ça, tu vas en faire un par sortie. On en fait tous les ans. Exactement. Mais une comme ça, toute boursouflée à force de coups, ses oreilles sont abîmées, elle a un ventre plat, elle est vraiment stérile. Et seule, parce que même les vieilles stériles, elles peuvent accompagner ou être accompagnées de jeunes. Dans ce cas-là, j'aime pas les tirer parce que leur apprennent un petit peu à déjouer les ruses, nos ruses, à déjouer
à aller sur les places de gagnage pour manger, à aller à telle heure pour se bouger comme elle était en train de le faire. Et pour moi, c'est comme tu l'as dit, c'est le Graal. Quand tu chasses le cochon, une vieille femelle comme ça, pff, merci. Merci à toi. Just down the boulevard with the top down low. Music blasting loud, feeling the flow. Neon lights flicker in the night's embrace. Lost in the moment in this rhythmic chase. Catching glances from strangers as I pass them by. In the city of dreams where stars light up the sky. Every step, every verse takes me close to the high. In the soft rap world where I spread my wings and fly.